elle se marre dès que tu souris. Elle continue, même si c'est triste. Elle ne mange pas si toi non plus. Elle est d'accord même sans savoir. Quand toi tu dors, elle dort aussi. Quand toi tu dis, elle ne dit rien. Quand tu es sous, elle fait l'amour, mais ne bronche pas, et c'est très bien. Quand tu te plains d'une douleur, elle s'empresse d'appeler le docteur. Quand tu réussis un accord, elle s'émerveille et crie encore. Oui, c'est ça la femme idéale, pas trop verbale, pas trop cérébrale. Oui, c'est ça la femme idéale, pas trop verbale, pas trop cérébrale. Ne t'inquiète pas, chérie, je t'attendrai jusqu'au bout de la nuit. Tes charentaises rangées bien comme il faut au pied du lit. Quand tu te soulages dans son corps, elle est toujours, toujours d'accord pour accueillir tes petites morts, même si malgré tous ses efforts, la plupart du temps, tu t'endors. La plupart du temps, tu t'endors. Oui, c'est ça la femme idéale, pas trop verbale, pas trop cérébrale. Seulement un jour, tu vois passer une pépée super bien roulée. T'as qu'une envie, c'est de la sauter. Tu l'attrapes et c'est terminé. Car elle est prise et t'envoie chier et te dit d'un air dégagé. Rentre donc chez toi, retrouver ton petit grillon du foyer.